Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne là, que vous avez une information sans problème. Maintenant, base 47, journée de dia là, et comme nous avons habitué dire, chaque fois de l'événement, base 47 nous toujours devant. Et nous dit non avec le Gaza qui vient de monter aujourd'hui, qui c'est 570 gouttes. Ça veut dire que Kama a privé sur tout le monde. C'est peut-être ça qui fait journée aujourd'hui, nous avons un paquet de bonnes rumeurs qui dit que marché bail là, il y a une base, il y a étant donné que la police avec la mairie, il y a marché débloqué pays, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire rien. C'est l'une des raisons qu'il faut le soir ou débloquer. Et puis les matins, nous sommes bloqués pays. Parce que si on ne peut pas avoir 5 appuis sur nous là, les messieurs, il y a payé très cher. Je vais poser une question pour moi, le toit, comment l'école ça va l'ouvrir. Et nous avons un message à toute base qui campait sous barricade. Pas de personne machine qui a vu le gaz dans la pompe à travers de tout le département. Ça veut dire, Ariel Henry, on bandit, on méchant. Mais nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons levé campé, nous avons goûté avec Ariel jusqu'au bout, de quoi pour ça qu'a fait là, pour ne pas arriver sous le peuple là. L'amour, pas privé sous le peuple là, nous-mêmes nous allons le chercher. C'est l'une des raisons. Nous-mêmes, au niveau de base 47, nous campions dans le banc. Si nous avons mouru sous barricade, nous ne pouvons pas bailler les gains. Nous ne pouvons pas bailler les gains, nous campions bataille. Nous avons demandé pour tout le peuple là. Gouméen, c'est dans la réalité. Ce n'est pas des radios, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans le téléphone, c'est tout le monde qui prend le béton de quoi pour nous capables de joindre ça que nous avons besoin. Imagine-toi. Un petit monde, un parent qui a 4, 5, 6 petits mondes qui peut mener l'école. Nous quittons Gaza qui est en vente pour 570 000. Des côtés, des taxis moto, des 400 gouttes de la commande pour mener un petit monde. Aller-retour. Mon factory a touché 480 gouttes. Ça, c'est comme transport seulement. Hein? Côté comme l'école petite. Côté comme pour manger par jour. Côté ça veut dire, nous ne pouvons pas avoir un état criminel comme ça, capturer les gens, qui parlent les gens, nous avons lancé un petit message pour la police nationale. Police nationale, base 47 n'a pas la voix. Nous connaissons où sortir dans un trail peuple. Pas jamais un monde rouge qui est dans la police là, qui sorti en haut, qui sorti en bas. Ça veut dire qui ça? Ou sorti dans un trail. Nous semblons avoir. Ou parmi là, non. Les gens qui jouent dans la police, ils parmi là, non. C'est parce que c'est pour les parents ou bien famille. Mais peut-être que ça joue un jour là, ça peut la revendiquer ou la dedans. Et nous connaissons la police là, c'est une institution qui est apolitique. Mais je vous dis là, nous, ouais, la police là, politiquement. Mais je vous dis là, nous avons demandé aux policiers, tant pis, les nous et peuple à manifester, pas balle réel. Pas balle caoutchouc, pas balle gaz. On est capable d'essayer de comprendre nous. Mais par contre, c'est travail ou à faire. Mais effraie-nous. C'est frère nous. Et soeur nous. On nous mettait nous ensemble. De quoi demain si vous voulez, Ariel aller, nous-mêmes pour nous pas chaud. Je pense que ce sont des décisions qui prennent de manière non préparée. Je ne vais pas traiter le monde d'amateur, mais il paraît que le monde qui n'a pas réfléchi à la décision avant de prendre. Parce qu'il y a une population que on a dirigé, un gouvernement a dirigé, qui n'a tête libre, il faut parler à la population. Lorsqu'on prend des mesures, il faut dire pour qu'ils soient prêts mesures, qu'ils soient conséquences à bien et qu'ils soient prêts à le faire. Gouverner, c'est prévoir. Dire une population pour le bras prendre augmentation de 108% sur produits pétroliers que la ville utilise tous les jours pour faire taxi, moto, taxi, pour faire toute activité li connaît que la bien conséquence sur la vie en général et sur tout aspect de la vie. Automatiquement, on dit ça sans aucune compensation, sans aucun mot d'encouragement ou d'espoir pour cette population, ou comprendre qu'on est population. Le fait ça l'a fait jusqu'à présent parce qu'ils trouvaient que les dirigeants n'ont pas respecté le plus parler avec lui comme ça. Ouais. Cependant, nous avons envie d'ajouter un deuxième point. Haïti n'a pas fait gaz. Nous pas, jusqu'à présent, nous allons exploiter puits gaz. Donc c'est gaz acheté à l'étranger. S'il montait sous marché international là, la conséquence nous en Haïti. Il faut que dirigeants parlent avec la population. Il faut qu'il y ait transparence dans la question ça, de telle sorte que lorsque le gouvernement décide de retirer seule saleté de la population de manière directe, on dit subvention sous produit, c'est la pour tirer, il faut le dire. Mais qui s'en va le bail en plastique?
dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut gagner une bonne gestion qui fait de l'argent l'État pour suspendre un gaspillage qui fait. Parce que quand les populations, n'est pas seulement parce qu'il a augmenté le prix du produit pétrolier au Sony, lui fait coller parce qu'il connaît tout, il a méprisé lui, pas gagné, autorité au fait pour lui, et il est toujours victime de toute façon de tout bagage qui est négatif dans le pays, de monter prix produit, de inflation, de prix essence, de taxi, de tout problème ça y a. Donc il est le temps pour nous diriger de concert avec la population, pour nous dire le permanent avec lui, parler avec lui, dire qui mesure qu'à prendre, mais pour qu'il soit en mesure, et mais qui sera besoin comme récompense, et surtout pour diriger ou diriger dans la transparence, dans la bonne gestion, pour suspendre à vous les 15 machines dans le cortège premier ministre, qui va bien nécessiter l'argent qu'à dépenser pour gagner vie, toutes ces sous-populations. Mais récemment, dans fin année 2021, dans le moment où le gouvernement a ajusté le prix gaz là, il a fait une promesse qui n'est pas respectée. Il n'y a pas quoi que dans la promesse que le gouvernement a fait par rapport avec l'âge ajustement ça. Vous avez tout à fait raison. C'est que question sont questions de confiance que lui. Si on ne pas sortir les députés de la ville, la côte, on va regarder si elle va voter ou la partie de la content. Ok. Et l'a fait peut-être violence. Tout peut-être pas dans Kaila, etc. Parce que lui est mécontent de papa. Donc si on a promis la population et ne pas délivré, ou bien ça a promis la rue dans la poche autorité, c'est normal pour lui y un type de réaction ça, parce qu'il n'a pas confiance dans l'autorité. Et là, on a plaidé nous-mêmes dans l'Union pour non seulement une gouvernance qui fait la transparence dans la justice, dans la non-corruption, mais pour que nous changions méthode par rapport à moun la tête dans le pouvoir. Il faut que nous mettions moun la tête pouvoir qui ait crédibilité, qui ait intégrité, qui ait honnêteté pour leur diriger. Ils ne pas diriger non pour qu'être dans l'intérêt personnel, mais dans l'intérêt majorité de la population qui a un problème. Est-ce que nous avons de comprendre que l'Union est bon côté et décision gouvernement prend? Non, c'est pas question de une campé bon côté décision gouvernement prend. Une comprendre que Haïti pas fait gaz, vous me répétez moi, gaz ka augmente. Mais en même temps, c'est pour l'augmenter, faut gagner explication, faut gagner compensation, faut gagner ajustement qui fait son série de l'autre produit ou aspect de la vie courante pour soulager le problème de population, parce que gaz monté a eu des conséquences sur la population. Et nous dit, nous tellement pas d'accord avec le gouvernement dans ça le faire, que nous dit le gouvernement, il faut qu'il soit plus transparent dans la gestion de l'argent de l'État. Il faut pas une corruption dans l'argent de l'État pour permettre que la population joue le service que l'a besoin. Service santé, service l'école, service transport, bon route, électricité, nettoyage la rue, etc. Il y a des services de base population en pas joindre. Le gars des lieux retiré une petite subvention que tu as mis sous gaz et que tu as gagné qui a fait l'autre bon à l'État. Donc vous comprenez qu'on est là. Il y a une discussion qui a fait avec plusieurs partis politiques et membres de la société civile, le secteur privé, qui a pu imaginer des solutions possibles à la crise. Parce que la crise nous vient là, n'est pas seulement une crise sociale et économique, mais une crise politique. Tout. Et la crise politique, là, c'est lui-même qui a plus de conséquences sur la crise économique. Là. Donc, il faut qu'il y ait un travail qui fait entre acteurs politiques yo, pour yo discuter, pour chercher des solutions. Unir toujours apprécier dialogue, unir toujours apprécier rencontre, unir apprécier rassemblement. Nous comptons participer dans la discussion qui vient pour essayer de mettre sous pied des solutions, à proposer des solutions qui vous permettent que l'on sorte dans la crise ça qu'il a. Parce que la crise là tout, c'est que au bon gouvernement qui est en place depuis plus qu'un an, gouvernement inefficace, dans ça, il est capable de bailler comme réponse à atteindre la population. Premier ministre, pour continuer au pouvoir, son gouvernement, son premier ministre, nous répétons ça qui n'est pas légitime. Il n'y a aucune légalité côté lui. Donc il faut qu'il gagne une légitimité qu'il est capable de joindre dans un accord. Qui parle un accord? Gagne une communauté internationale qui a gardé nous. Si nous-mêmes haïtiens, nous avons chita entre nous-mêmes, pour nous chercher des solutions à problèmes qui viennent, et bien nous-mêmes avons imposé nous des solutions. C'est ça, nous-mêmes, dans ce pays, nous pas souhaité nous. Ça arrive nous trop souvent. Que c'est international là qui prend une décision en place haïtien. Pour qu'haïtien ait plus de dignité, ait plus d'orgueil, lui dit oui, je pense que nous avons raison avec accompagnement, je pense que l'accompagnement qui dit bon que l'autre là, je pense que nous avons plus de force dans la rue que l'autre là, mais en fin de compte, est-ce que nous allons mettre quelqu'un ensemble pour trouver une solution à l'haïtienne et dans l'intérêt de la population? Nous avons encouragé ça et nous pensons que nous sommes sous bonne voie et la discussion a continué et nous espérons. N'a pas longtemps à gagner des annonces qui fait dans son sort. Oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques personnalités qui, dans différents secteurs, qui ont participé, qui déjà chita parlé dans le cadre de ces discussions? Alors, d'abord, nous disons qu'il y a un secteur économique. Le secteur économique, d'abord, il y a le même monde dans le secteur économique. Il y a un monde qui a des entreprises. Il y a des entreprises qui veulent participer dans la recherche de solutions. De toute façon, pour le groupe, nous connaissons le travail. Le deuxième groupe, société civile. Le travail,
et qui ont même dû proposer exactement même formulation hein, au Conseil de transition. Et au troisième groupe, c'est le groupe que le président Sénat, Joseph Lambert, est capable de piloter, pas de diriger, non, mais lui-même qui prend l'initiative là, c'est l'initiateur là. Et le groupe ça, un pire parti politique là-dedans, il n'a pas autorisé non, même, nos partis politiques qui sont même capables de dire, et par exemple, gagner le PHTK, gagner Kadoa, député qui sortit dans le groupe Sahayo, unir, entrer et participer dans la discussion, eux, plusieurs autres groupes politiques encore, que je ne vais pas présenter là. Mais KPC, ouais, comment il y a une solution, et le même type de solution, hein, pour mettre sous pied un conseil de transition qui accompagne le gouvernement, pour le ministre, pour le barrer pour qu'on puisse au pouvoir, là, parce que il n'y a pas de preuve pendant un an que pour qu'on puisse à budget qui va. Est-ce que nous-mêmes nous pas craignons que PM là, les qualifions l'autre fois encore de jetement j'étais, il rencontre ça aucune affaire, elle ne considère que tu fait ça déjà, mais quand tu t'as parlé, tu es déjà à pénitier. Évidemment, il y a craint ça, il y a inquiétude ça. Mais cependant, moi-même, dans ces opinions personnelles, moi, je voulais croire que chaque acteur qui est là doit être responsable. Pour qu'on ait que ou pas une solution pour contre la mer. Montana n'a pas une solution à la même pour contre lui. PN pas une solution. Accord unitaire pas une solution. Accord 11 septembre que le Premier ministre n'a piloté pas une solution à la mer. Faut que nous chita ensemble pour nous donner une solution. Et avertissement, encore une fois, si nous pas qu'à joindre nous, peuple a lui-même à joindre pour contre une solution par lui. Ou bien, c'est la communauté internationale là qui a pu nous poser des solutions. Que nous allons connaître ce qui forme là. Moi-même, je pense que le Premier ministre en fait pour le sage. Acteur politique en fait pour le sage. Pour chercher une solution qui a un intérêt pays d'Haïti et a un intérêt population qui n'a souffert. Dans la proposition au Conseil de transition, est-ce que la proposition allait dans quel sens? Combien de monde l'a gagné, tout ça, est-ce que nous avons défini au Conseil de transition? Non, il y a un cours de discussion. Mais on prévoit un conseil de 5 membres, un conseil de transition, qui a bien dans les différents secteurs, qui a représenté le secteur politique, le secteur social, etc. Et pour gagner une difficulté qu'il y a là-dedans, c'est qu'on est qui mission, qui étend du pouvoir là-dedans, ou bien qui savent pas bien comme pouvoir. Est-ce que le Premier ministre ou bien les forces qui là vont le considérer là, son conseil va lui dire qu'il n'y a rien, va considérer l'importance. Non, pour lui dire l'importance, c'est pour le veiller à ce que les mesures qu'il prend, c'est des mesures qu'il prend en toute équité et qui va aller, on est capable de dire, non sorte d'équilibre pour que. Pour le ministre qui l'a, le gouvernement qui l'a, il va travailler pour une équipe politique à part. Il faut qu'il travaille dans l'intérêt de tout le monde. Donc, dans ce sens-là, et la discussion va continuer, et moi, je pense que la notion de ça me soutient à des sagesse, là, peut-être pour le livre touché à acteur, et puis on connaît que dans ce cas de là, pas de monde qui va faire cavalier seul pour bien pour qu'on tout, pays a donné peut-être ensemble pour donner des solutions à problèmes qui posent, et solutions au plus durable, pour que des solutions qui passent à travers un consensus. Est-ce que chez Tabalé, ça vous faites en présentiel, si oui, qui côté ou bien par moyen visioconférence? Alors non, présentiel est pratiquement impossible pour le monde déplacer dans n'importe quel point, parce que chaque monde va arriver du même côté, tout le monde va arriver du même côté, pardon, donc il est difficile. Donc avec les moyens du bord, et heureusement les technologies aujourd'hui à là, que ce soit en virtuel ou par téléphone, autant que communication est possible, des discussions sont faites. Nous capables de dire, par exemple, qu'on a fait des discussions qui longues, qui durent de longues heures, pour essayer de joindre des formulations et pour joindre juste mot, juste phrase qui permettent d'exprimer volonté, désir ou bien exprimer réalité, situation. Donc, j'espère que à continuer le travail et que nous allons avancer peut-être vers une proposition qui est capable de rassembler le maximum de monde possible, de bonne foi, de bonne volonté pour que la société à la crise. Parce qu'on connaît, ça va durer encore pour un pays, pas capable de faire l'école pour tout le monde à l'école, pour les étudiants, pas capable d'étudier, pour tirer commerçants, grands commerçants, pour dire business, pas capable de faire business, pour pas capable de besoin d'un docteur, tu vas. Non, il n'est pas possible. Ça t'a dit l'autre bois. Ah, puis je sais que blanc bateau c'est pour lui, blanc diplôme c'est pour lui, zami c'est pour lui, fleur de créer police nationale là en 1994, son paquet nègre police montée canadienne, son paquet nègre police New York qui montait. C'est une balle où ouais, avec physique là, les policiers là. Si Américain, c'est Américain qui baille, oui. Mais j'ai pas la médaille ici. Mais la médaille ici, c'est le petit nègre moins qui débute l'indépendance et qui fait qu'on gouvernement. C'est un rage de 1957 à nous qui est équilibré avec habitants, tout en Macou. Qui est quand même. Mais je me dis à la, qui sont gagnés et comme barrière en main. Alors il a perdu du temps. Et Premier ministre, tout. Politique étrangère solide,
Ça veut dire une politique équilibrée. Donc, il y a fait des balances dans le penché ou seul bois. Journal, il coupe relation, coupe passé avec Venezuela, avec le ballon gaz, le cadre programme Alba Petro-Caribea. Il est fait un mot, il faut libre, il voyait le ministre des Affaires étrangères, Bouchil, à le promener avec tout accord que nous avons gagné avec Chiavessio. Et bien, vous avez dit, payé conséquences de nos conséquences. Est-ce que vous pensez que si nous avons un rapport équilibré avec Venezuela, que Gaza rentre dans l'argent nucléaire, parce que nous prêtons l'argent pour Gaza, nous prêtons l'argent pour Gaza, Venezuela, d'après mettre lui, le BM bat d'un an nous. Et bien, vous avez dit, là, qui sont prêts? Vous n'avez rien en main pour négocier. Haïti n'a rien pour négocier. Il n'y a pas gagné argument. C'est notre temps pour souffler nous. C'est ça que fait par respect de tête peut-être. Et parce que je n'ai pas invité officiellement. Parce que l'IPA président son premier ministre. Le président, vous voyez, un monde qui est légal, reconnu par le droit international, de la communauté internationale, que ce ministre n'a pas parlé de la fête de la place libre. Mais qui ça, mon diable de l'histoire libre? Qui sont rien en main? Ou pas dans rien en main, ou pas un pays de dignité nationale. Seul bagage que Haïti gagne pour négocier, c'est dignité peuple-là. Peuple-là, tout autant que peuple-là, pas changé. Lui-même a fait de gaz la capée de monter et la continue de monter. Parce que, attention, ça a rien de bail-là. Gagne, oui. Parlez-vous les coups de l'emprunt, 200, 300 coups pour nous-là. Ça va loin, non? Donc, là, ça nous va le faire. Nous allons garder ça aussi, même la division, quand on fait une boule et tout le bagage, et puis on a qu'à faire. Seul modèle de négociation diplomate haïtien, c'est volonté, détermination, peuple-là. Si peuple-là, pas de changement, j'appelle. Si peuple-là, voulez vous mettre, eh bien, quelqu'un élite qui passe claque politique de vagabond, qui a dirigé le depuis près de 40 ans, prend responsabilité que jeune garçon, faculté, 11 facultés UEHO, mettez détermination dans le royaume pour 1968 en France, pour vous déboulaler, pour vous venir avec une perspective qui fait que Jocelyn Vigny est premier ministre en France, qui fait que Michel Rocard, un grand intellectuel, qui fait que Giscard d'Estaing et Jacques Chirac viennent changer le rapport avec les États-Unis. Et bien, je vous dis à la, c'est pour le peuple là. Parce que si vous voulez faire l'histoire, il faut prendre responsabilité de l'histoire. Soyons clairs, est-ce que M. Ariel Henry est issu des urnes? Est-ce que je devais voter? Bon, résultat, c'est le président, c'est le droit constitutionnel, oui, ça y est. Le droit constitutionnel est universel, oui. C'est la France, c'est l'Europe, c'est le baron de Montesquieu, c'est M. Locke, L-O-C-K-E. Dans son livre traité du gouvernement civil qui crée le droit constitutionnel, oui. C'est Jacques Rousseau, oui. Alors, blanc, lui, mais, son imbécile, lui, depuis toute pièce, ça, la travail. Et puis, quand tout est nègre, nous, et qu'a fait être pour une classe de civilisation, non? Monsieur Ariel Henry, je m'excuse, n'est pas élu. On peut avoir toute la sympathie qui lui est au-devant, son haïtien, nous, vraiment avec vous. Nous respectons, mais nous tiens à se respecter le peuple d'abord et nous-mêmes tout. C'est-à-dire que moi-même personnellement demandé pour un gouvernement compétent. Vous répétez plusieurs fois sur Radio Guinée. C'est pas ça que là. Qui ça nous a capable pour depuis un an là, ça y est. Rien. Il va nous faire une élection. Blanc, combat à mouvelé, vous pouvez y attendre. Blanc, bon culture de élection. Moi-même avec nous. Nous pas habitués à bagarre parce que nous allons faire dans l'école. Pour nous-mêmes, élection, on bagaille. Nous faisons commencer à prendre depuis 87. Mais blanc lui-même, il ne peut pas accepter. Biden ne peut pas accepter pour nous dire là, on va faire élection. C'est pas ça, ça c'est vrai. Alors, ou Chita, ou tout bagaille, ou ministre de la communication, ou président, ou premier ministre, et puis pays a même un bagaille sérieux, et puis garde le roi de monde. Pendant ce temps, vous craser, pendant ce temps, comment on va faire l'école là? Comment on va faire là? À qui compte? Pour les têtes, bloquer une bagaille. Et pour nous sortir, rien n'a pas pour inaguer, couche taxi. C'est 200 dollars, allez-y, allez-y, oui. Bon, mettez le gouvernement défi, oui, les là. Et bien, après, à qui ça? Et
subventions et livres. Comment dit la monsieur, vous faites pour craser subventions, vous faites livre unique, le ministre de l'Éducation nationale dans le pays, mes amis, en moi. Restez les vins avec moi, faites des livres uniques qui tout passé, même d'arrêt, même si je vais me référer pour ça. En pédagogie, parce que je suis un malin. Moi, j'ai une licence et l'école normale supérieure. C'est déjà une marque pour moi, l'école normale supérieure. Alors qu'on y a là pour le ministre Maninga, si tu as vu parler de livres uniques, eh bien, mon cher. Bah ça va ni communiste, parce que ça va dire c'est aucun pays communiste. Bah ça, c'est du manigatisme arriéré, arriéré, arrière toléré. Arrière son nez qui fait étude de Montpellier en France, son boursier d'Haïti, qui est docteur, pas l'hôpital général, tout l'hôpital ça va rien à l'air, non. Ah, il y a un budget pour vous, non. Mes amis, bah, c'est qui fait ça. Pitié pour le pays. Donc, il faut un gouvernement compétent. Donc l'ONU n'a pas besoin de monde qui passe élu par les urnes pour venir craser ça qui est écrit depuis, depuis dans les accords de Dumbarton Oaks, D-U-M-B-A-R-T-O-N-O-A-K-S. N'est-ce qu'on fait deuxième guerre mondiale pour créer l'ONU, les SDM crasés. Qui a mis ça au coupé de cette chose. Donc, Ariel n'est pas éligible à l'Assemblée des États de la communauté internationale. Le, c'est deux mondes qui prennent la parole, c'est ou bien le ministre des Affaires étrangères là, ou bien le ministre et ou bien le président en personne. Martelly, l'aide des présidents, lui montrer ça clair, elle est allée aux Nations Unies pour parler. Par contre, qui empêche pour le gagner? L'idée prend qu'au cas d'un olial, pas seulement le ministre des Affaires étrangères, Jeunet ou Renaud, qui prend la parole au nom de l'État, c'est voilà comment ça se passe aux Nations-Unis. Nous connaissons les bagailles, mais d'où les matins, il n'y a pas de cabal des Nations-Unies, il s'est fait remplacer, parce que qu'on cas de Baou, il s'est fait remplacer par le ministre de l'époque, le Nair Renaud, tout de vivant. Mandez matin, dit comment on fait bagage à eux. Mandez le Nair Renaud, comment on fait bagage à eux. Mandez ce qu'on dit valider, ce qu'on dit à là, comment on fait bagage à eux. Duvalier François, président de 57 à l'El Mouria, c'est Nair qui ministre des Affaires étrangères, parce qu'il dit paix à l'autre bon pour pouvoir faire coup d'État. C'est ministre des Affaires étrangères, donc le grand ministre de Chalmers qui toujours prend la parole. Max a eu que monsieur a parlé à là, c'est menti. Il a fait pour ouvrir pendant toutes les semaines qu'Ariel va aller le voir. Bah, il n'a jamais été question. Cependant, par respect pour lui-même et peut-être pour le pays, il fait les chutes à ici. Il va faire blanc et milieu. Parce que, dès ça, oui, j'arrive à faire un pot sous lui. Bonne chance à Genève. Raison, si nous voulons dire de manière symbolique, c'est pour nous donner une réponse, justement, avec Zach Malhonnête qui fait hier la mémoire dans cette nuit. Puisque nous passons savoir comment haïtien hier c'était la naissance de Dessalines. Et bien un groupe haïtien soi-disant qui dit que c'est militant politique, hein, sans étoffe historique, sociologique, anthropologique, et bien on te prend rage et vous voyez sous Jean-Jacques Dessalines. Et on a profité de dénoncer tout ça malhonnête, ça, crime de trahison, ça qui fait la mémoire dans cette là. Et on a profité tout pour nous dénoncer. Et depuis 1806, côté qu'il y a un groupe de nègres. Il a craché sous mémoire en cette nuit. Nous passons savoir après la mort, assassinat, oh Dieu, de Jean-Jacques Dessalines. Côté que nous dépassons plus que 40 ans, pas de cacité, non, de Dessalines. Et puis nous passons savoir avec l'arrivée de M. Dampé acheté Kayo. Côté que, quelque part, de place, gros poteau et garçon, ça, qui sont héros national et national et international en même temps, côté que nous font la trine. Ils font la trine. Tout le monde connaît que l'ordre d'Haïti dit la trine qui s'allie. C'est pour dire que bon processus justement pour banaliser les ancêtres nous. Bon processus pour banaliser l'histoire et pays. Bon processus pour banaliser symbolisme. Ça nous considère comme symbole. En nous clair, on va garder ça, on fait place. Soit les code de vie, tombe Chalmay Peral, côté que nous mettons un parc industriel. Quelque part, il y a une promotion de mauvais goût qu'a fait dans nos ancêtres. Nous. Depuis nous avons quitté l'éducation, nous dépend de l'Occident, nous dépend de l'Occident, et tout ça nous gagne comme acquis qui était capable de permettre que nous-mêmes nous avancions. Nous avons quitté ces étrangers qui ont dirigé,
faut qu'on t'attende que jodi an la propre petit pays en t'est capable souiller papa nation quoi que son acte inacceptable. Même au niveau les partis de politique, en nous imaginons nous bien, et partis politiques, ils n'ont pas formé militants politiques, ils n'ont pas formé les gens qui adhéré ensemble avec partis politiques. Ils viennent accoucher un paquet de jeunes garçons avec jeunes femmes depuis au moment où ils font n'importe bagaille. Je dis à ma boy un message très clair et formel par tous les dirigeants partis politiques. Je pense que papa de Saline nation, papa nation. Fais-nous joindre tout ça, nous avons besoin. Nous avons besoin de riches, nous riches. Nous avons besoin de voyager, nous voyager. Toutes petites, nous, toutes familles, nous, à vivre à l'étranger. Je dis, on a en Haïti un service, même si nous-mêmes, nous ne pouvons pas apparaître, parce que nous avons pris un tap sous domain par rapport, ensemble avec ça, nous gagnons comme tâche, par rapport avec ça. Nous, qui caillent aux fèves à l'étranger. Mais, by chance pour une nouvelle classe politique émerger afin que tu aies capacité pour garder blanc dans les yeux, pour garder les gens qui font partie du secteur privé dans les yeux, pour être capable de garder n'importe qui et pour défendre l'intégrité nation. Il y a un acte de profanation qui est fait sous le monument et l'empereur Jean-Jacques Dessalines, fondateur de l'indépendance. Et bon, malheureusement, les jeunes sont dans l'ignorance. Nous avons un contexte côté que c'est l'ignorance qui a marché. Qui tocouillon fait noir sous pays et nous dénonce cette situation ça et nous dit c'est parce que pas gagner une éducation dans pays là, c'est parce que pas gagner un enseignement d'histoire qui fait dans pays là, là nous connaît et qui ça veut dire mémoire que en pile pays prend en pile et bah en pile importance avec question mémoire et nous dit acte profanation ça fait hier, c'est pas premier acte profanation fait. Là, nous connaissons la mairie, mettons, on sent sanitaire, on a commencé à construire, quitter, on a gardé là en face place là, côté que nous avons fait besoin à même le sol, côté que et ces mauvaises odeurs qui ont dégagé sous place là, et là nous connaissons tout, et le gouvernement PHK a coupé place là tout, il a coupé, il a réduit en morceaux. Et non seulement ça, si nous avons remonté dans l'histoire du pays, nous avons gardé l'histoire de façon sérielle. Si nous avons gardé l'histoire du pays de manière sérielle, nous avons dit que, depuis 1806, il y a profané et mémoire l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Là, nous connaissons, il a fini assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Non seulement il a assassiné, il a lâché le par morceau, il a la gueule dans la rue, il n'a pas même et il a dit un funérail digne de sa personne. Et là nous connaissons Dessalines dans une dimension internationale, son humaniste. Dessalines pas pour nous, Dessalines c'est pour le monde lié. Dessalines, il y en a qui dit, tout peuple qui se sent opprimé, qui se sent pas de liberté, vini pas bon ici là. Dessalines pas mérité ça. Et nous-mêmes nous venons là pour nous capables et capables de dire ramasser Dessalines. Même Jean défiler la folle, tu ramasser l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Là on te coupé le petit morceau. Nous venons ramasser l'empereur Jean-Jacques Dessalines pour nous dire non avec situation de misère côté population nouvelle. Nous nos contextes de domination, côté corps groupe. Bini et mettez pied sous coupe là. Côté c'est occupation, c'est domination. Nous avons un projet contraire qui s'est ramassé à dignité et remettre valeur à tout héros nationaliste. Mal et plus loin. Sous tout tombe Charles Maïperal, dans le code de vie a même fait sous trip. Tout tombe Charles Maïperal. Ça veut dire son projet lié, projet pour tout le monde qui est goumé, tout le monde qui est une figure et emblématique dans la nation, pour être vandalisé. Ça veut dire l'île de Corée, autrefois en Afrique, c'est son discours quand elle est fait là-dedans. Tout esclavagiste, ils pensaient que les figures de des papas de Saline qui ont inventé la liberté, goumé, cap dio pas de mettre pour sur tête monde, pas d'inventer kidnapping dans le pays. Ils pensaient passer ou bien passer dans Wate, visage ça, ça sont gagne pour yo non seulement qu'il y ait domination, mais pour poursuivre le projet l'amour avec le projet esclavage là, esclavage moderne, journée jodia, on prie on gaz, on gaz, puis fort et on prie on salaire minimum. Qui donc moi-même qui appelle dans la ria pour me dire qui ça? Même venir ramasser papa de Saline, mais en même temps tout, les mouvements là, je vais mettre fleurs papa de Saline pour me remplir le fatra, pour tout profiter ramasser fatra, parce qu'on va avec fleurs sous fatra. À Cuba, bon étudiant haïtien qui a le conqué et lui mettait sous tête un statut. Dans demain matin, il a étudié, dans demain matin, il a déporté. Ça veut dire statut,
un respect important pour Bali. Et je dis à la ville là comme avocat, c'est parce que un, je pensais que le commissaire gouvernement mettait l'action comme on voit déjà. Ce qu'il n'a pas fait. Elle dit le silence du commissaire du gouvernement, Livine, complice par rapport à ça fait là. Et l'or pour ne pas parler de Saline, il y a un héros, il y a qui te bataille pour mettre là. Donc là, il y a plusieurs monde qui viennent là, qui a profané, qui a jeté Zebsouli, qui a jeté Fatra. Donc on pensait que son impair, son désordre, son dérespectant, sont fréquents. Et si tu as un état de droit sérieux, si tu as un état de droit, Nous sommes supposés mettre des barreaux. Nous-mêmes, nous venons là, c'est pour appuyer la structure qui vient lever le visage pour pas des salines, parce que c'est très important. Et me féliciter les gens qui viennent là, nettoyer, parce qu'on vient nettoyer à tout. Parce que c'est sûr que, whatever soit pour aller dans le pays, il faut commencer par respecter le symbolisme de nos héros. Des salines n'est pas n'importe qui, des salines n'est pas un petit vagabond. Il n'était pas un bandit, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il a défié l'armée napoléonienne. Elle dit, les gens parlent de l'armée napoléonienne, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à mettre dans le monde. Et Dessalines fut l'un des instigateurs de cette victoire de la bataille de Vertières. Donc, merci. Je ne suis pas d'accord pour un monde, pour quel que soit citoyen vilain, sous clairé, sous gouac, il a profané statue. Non mais FMI, eh bien, je dis, il faut lui provoquer un génocide dans le pays. Comment la provoquer génocide dans le pays? C'est là que les vignes, lui multiplier prix gaz dans pas 3. Et qui c'est un produit transversal qui a une incidence sur toute activité dans le pays. Nous n'avons déjà pas de cas à manger, nous n'avons déjà pas de cas à louer caille pour nous arrêter, nous n'avons déjà pas de cas pour les pour l'école. Eh bien, je dis, lui, c'est 10 fois plus. Il y a un sac de riz qui vend les gaz à 200 gouttes, il vend 1500 gouttes, et bien les gaz à 250 gouttes, il passe de 1500 gouttes à 4500 gouttes. Je dis alors, multiplier le gaz à pas 3, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est 4-5 familles qui vont mettre ensemble pour acheter un sac de riz. Si vous avez brûlé là, qui est passé à 75 gouttes, eh bien, vous allez multiplier le pas 5, ça veut dire qui ça, population, hein, pour pas de possibilité pour acheter un gloss huile. Famille en pays, il n'y a pas qu'à vous visiter l'école. Eh bien, par rapport avec une décision criminelle, une décision fasciste et un tel pouvoir d'apprendre, eh bien, population en dit son pouvoir criminel, nécessairement, inconditionnellement, faut Ariel Henry by place avec d'autres patriotes, d'autres personnes qui sont responsables, qui sont capables de proposer une alternative avec la société.